Voici me voilà. Bon, j'avais dit que je streamerais un soir dans la semaine. Bah, ce sera ce soir. Et puis c'est tout. Alors je ne veux pas parler trop fort. D'ailleurs je vais monter légèrement mon micro. Voilà. Et je ne vais pas parler trop fort histoire de ne pas réveiller ma fille principalement. Voilà. Ah oui, alors attends, il y aura un truc que je voudrais faire. Enfin, il y a deux trucs que je voudrais faire en fait. Attendez, bougez pas. Tac. Tac. Alors. Comment que ça marche? Je m'en fous de ces conneries. Voilà. Hop. Super. Alors, je voulais parler. Alors déjà, je voulais commencer par remercier quelqu'un. Quelqu'un, et puis d'autres personnes. Alors, je voudrais. Moi, je voudrais remercier une personne qui se reconnaîtra. Hein, qui... Alors, du coup, c'est marrant parce que son nom est passé en anonyme dans la cagnotte. Dans la cagnotte Amstrad CPC Résurrection, dont je vais vous parler juste après. Donc, la personne est passée en anonyme. Donc, je suppose que cette personne ne veut pas que je mette son nom. Donc, je voudrais remercier cette personne qui a fait une donation plus qu'impressionnante, on va dire. Alors, moi, je demande pas ce qu'on me verse des sommes mirobolantes. Hein. Moi, quand quelqu'un me verse 1 ou 2 euros, je veux dire, je suis content, quoi. Ça me permet toujours, petit à petit, ça grandit. Alors, on a eu Roberto Carangelo qui a donné plein de fois comme ça, 1 ou 2 euros. Au final, il a donné quand même pas mal, hein, quand on calcule. Hein. Déjà, voilà, hein, déjà, en vlingue, je remercie. On a Stéphane Martin, Loïc Lété, que tout le monde connaît sous le nom de Monos, Ludovic de Planck, bah c'est démoniaque, François Cluzeau, on a d'autres anonymes hein, d'ailleurs, on a Eric Boula aussi, que tout le monde connaît, le directeur, et Frédéric Bellec aussi par exemple, hein, donc tous ces gens-là qui ont donné pour la cognac, donc c'est vraiment très très sympa. Très très sympa, alors d'autant plus que je vais en avoir besoin, de plus en plus on va dire, tout simplement déjà parce que je suis en train de refaire le site Asmtrad CPC, hein, le site de programmation, qui se transforme en site avec plein de docs. Je pourrais vous montrer d'ailleurs, je sais pas comment je pourrais faire, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ouais, non, ça va être chiant parce que vous allez voir ce que je fais. Ouais, je vous montre ça une autre fois. Et donc, en fait, le truc, c'est que va falloir que je l'héberge quelque part, ce site. Pour l'instant, je l'héberge sur une page privée, entre guillemets, mais chez mon fournisseur d'accès, ce qui est quand même pas vraiment le top. Ce qui serait bien, ce serait d'avoir un vrai hébergeur, et donc c'est ce que je vais faire. Et voilà, je commence déjà à perdre du débit, à perdre des images, et donc bah, ça va me coûter de l'argent. Bon, en gros, si j'ai à peu près calculé, ça va me coûter 50 euros par an. Bon, c'est pas énorme, sachant que ça devrait payer normalement l'hébergement plus le nom de domaine. C'est pas énorme, mais bon, si je peux éviter de payer déjà 50 balles pour le site, surtout qu'entre guillemets je le fais pas spécialement pour moi, voilà, pas plus mal. Donc voilà, ce genre de truc, alors c'est pareil, hein, la cagnotte elle sert, donc elle servira à ça, elle continuera de servir pour faire de la sauvegarde de jeux, hein, acheter des jeux pas forcément courants, alors malheureusement les prix sont de plus en plus élevés, donc ça devient compliqué. Là par exemple il y a un jeu que je regarde depuis un moment que je suis qui est en vente mais qui a plus de 40 balles, donc ça me fait chier, moi 40 balles je mets pas dans un jeu, ça c'est clair et net. Alors après vraiment si c'est un truc rare qu'on n'arrive pas à choper, bon
La cagnotte a pu servir à ça. Après, je préfère des fois l'utiliser plutôt pour acheter des compilations, parce que les compilations, en général, personne n'en veut. Elles sont pas forcément chères. Et du coup, alors, hop, je mets le lien de la cagnotte. Tac. Et du coup, ouais, il peut pas me le mettre encore plus grand. Alors là, si vous n'avez pas vu la cagnotte, franchement. Allez, diminue ça, espèce d'abruti. Pourquoi est-ce qu'il veut pas me diminuer? Allez, quand même. Du coup, je sais plus ce que je disais. Voilà, je sais plus ce que je disais, super. Allez, hop, on est par là. Toc. Allez, à peu près au centre. Il n'y a pas d'outil de centrage là-dedans, il n'y a rien. Ah, je sais plus ce que je disais. Donc ici, acheter voilà, des jeux pour faire des copies. Et puis, on a aussi certains que j'achète pour me faire plaisir. Bon, en général, ceux que j'achète pour me faire plaisir, alors, j'achète pas avec la cagnotte. Hein. Bon, après, j'ai envie de dire des fois, il y en a qui mettent des fois des petits mots pour me dire, bon, bah voilà, pour tout ce que tu fais, machin, etc. Donc, bon, voilà. C'est pareil, hein. Des fois je vais pas non plus m'emmerder, des fois je m'achèterai peut-être un petit jeu de temps en temps, même avec la cagnotte, ou alors juste utiliser 5 ou 6 euros pour diminuer le prix d'un jeu que je vais m'acheter. Bon bref. Voilà. L'idée de la cagnotte, mais surtout déjà pour l'hébergement du site, ce serait déjà pas mal. Surtout que je ferai peut-être pas qu'un seul site, en fait, je ferai peut-être d'autres trucs. Donc on verra. Je pense que je supprimerai le rétroblog. Vous connaissez peut-être, parce que bah, le rétroblog c'est bien, c'est pas mal, mais l'interface elle est pourrie en fait. J'ai plutôt envie de me barrer de chez Canal Blog, parce que c'est vraiment de la merde. Et donc autant que je refasse le truc moi-même quoi. Donc voilà. Alors sinon, on va jouer tout à l'heure, hein, mais pour l'instant je vous montre un peu le neuf. Alors déjà, on va passer au truc sur Spectrum. Qu'est-ce que j'ai reçu ces derniers jours? Alors, ces derniers jours, j'ai reçu ce jeu que tout le monde connaît, alors sur Spectrum. Très très bon. Alors, c'est la même version que sur CPC. Hein. En gros, la version CPC, c'est la version Spectrum. C'est un Speciport hein, sur CPC. Alors, je ne sais pas lequel a été fait à partir de l'autre, ou inversement, ou en même temps. Alors, je serais plutôt pour dire que ça a été fait en même temps les deux versions, hein, surtout à cette époque-là. 90 quand même, donc à cette époque-là, je pense qu'ils développaient les deux en même temps sur les deux supports, mais bon, on voit bien que c'est le même code, hein. Ça réagit exactement pareil, il y a les mêmes bugs entre guillemets aux mêmes endroits, donc on est bien sur la même version. Donc, jeu très très sympa, en plus, c'est un jeu où on voit très très peu le color clash hein, sur Spectrum, donc vraiment ça vaut le coup, quoi. Vraiment sympa. Alors, un petit jeu que j'ai découvert, hein, que j'ai acheté par curiosité entre guillemets parce qu'il était vraiment pas cher. Hein. C'est le genre de truc qui m'a coûté 2 euros. C'est celui-là. C'est Trapdoor. Alors il y a une suite. Il y en a un deuxième avec le même personnage. C'est plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo. Alors, on a une espèce de personnage. Je ne sais pas si vous voyez là-dessus. Une espèce de personnage tout bleu, là, comme on a en couverture. Ouais, il y a Rofl pour qui font chier. Mais donc en gros, on a une espèce de gros bonhomme bleu et on doit obéir aux ordres. D'un mec qui nous dit d'aller chercher des trucs. Alors, par exemple, j'ai réussi la première mission. En gros, il m'avait demandé c'était quoi? C'était de ramasser des vers, hein, des espèces de vers de terre ou je sais pas trop quoi, de les mettre dans une espèce de vase et puis de lui amener ça. En fait, l'émission, c'est ça. En gros, il veut qu'on lui donne des trucs à bouffer. Et donc, on met dans des vases, dans des machins, et puis il faut mettre ça dans un monte-charge, et puis monter. Et puis si le mec il est content, bon, on a réussi la mission, on passe à la suivante, quoi. Donc voilà, bah, c'est plutôt rigolo en fait, c'est assez marrant, hein, avec des gros gros sprites, et c'est pareil, c'est assez joli. Il n'y a pas de color clash. Il n'y a pas de color clash, on le voit pas. Plutôt sympa. Aujourd'hui, j'ai reçu celui-là. Que tout le monde connaît, Saboteur 2, donc toujours sur Spectrum. Alors par contre, ça commence à me casser les pieds, on va dire. Peu importe la version que j'achète sur Spectrum, ou la version que j'essaye, j'ai jamais la même chose. Alors, sur cette version-là, on a une musique au beeper pendant le menu, mais on n'a pas de musique dans le jeu.
Par contre, le jeu est jouable, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Il y a d'autres versions que j'ai récupérées sur Internet, que j'ai téléchargées sur le net, où j'ai une musique faite avec la Y, mais où par contre, c'est injouable sur mon Spectrum Plus 2. Le clavier merde complètement, je peux appuyer sur aucune touche, ça marche pas. Mais par contre, il y a la musique. Et d'autres versions où il n'y a pas de musique. Enfin bref, c'est du top délire. J'ai l'impression qu'il y a 50 versions différentes de ce truc et il n'y en a aucune qui fonctionne. Alors, ce qui est un peu de la merde, parce que moi, c'est quand même marqué en haut de la cassette que c'est pour plus 2, entre autres. Plus 2 et plus 2A. Donc, fait chier, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a encore une autre version qu'il va falloir que je chope pour réussir à enfin avoir Saboteur 2 avec la musique in-game jouable, hein, au clavier HD sur Spectrum, quoi. Sur mon plus 2, quoi. Donc, ça me fait un peu chier, quoi. C'est comme ça, hein. Ah tiens, salut TSM, je t'avais pas vu. Prix de délire, devenu trop cher les jeux. Le rétroblog, ouais. Attends. Le rétroblog, où est-ce que je l'ai foutu cette merde? Ah, il est là. Donc c'est un blog. Alors j'ai une page hein, Facebook, le rétroblog de BD Siren, qu'on trouvera facilement. Et sinon, là dans le chat, je le mets à gauche. Tiens d'ailleurs j'ai plus le chat ici moi. Bah si on devrait l'avoir, pourquoi est-ce qu'on le voit pas? On le voit pas comme d'hab. Ça marche jamais ce putain de chat Twitch de merde. Hein. Comment ça se fait que ça marche pas? Je sais pas pourquoi je le vois plus le chat. Le supprimer, voilà, hop, ajouter, si je fais capture de fenêtre, oh, je sais plus si c'était, oh non, source média peut-être. Si je fais ça comme ça, ok, ah c'est pas ça. C'est pas ça. Oh, fait chier, hein. Alors, supprimer. Je bouille de mes conneries en même temps. Paf. Image navigateur. Alors, navigateur, je vais faire ça. Chat, vas-y. Ok. Le lien. Toc. Ok. Et bah, y a rien. Ça marche plus le chat Twitch, y'a rien qui marche là-dedans. Bon bah tant pis, hein, plus de chat Twitch. Donc voilà, donc ça c'est pour ces jeux-là. Bon, voilà. Donc sinon j'ai récupéré l'excellent Dandar 3 sur Spectrum qui est vraiment sublime. Hein. Il est même mieux que sur CPC, on va dire. Moi je le trouve plus joli. C'est vraiment un jeu qui est magnifique sur Spectrum. Hein. Alors, il est magnifique sur CPC, mais sur Spectrum, il est tout simplement incroyable. Hein. Certainement l'un des plus beaux jeux du Spectrum. On est à vraiment une résolution pixel carré avec, avec toutes les couleurs à l'écran sans color clash. C'est vraiment sublime. Sinon, j'ai récupéré Sonic Boom, toujours sur Spectrum. Alors, je suis bien sympa. Alors, c'est moche hein, sur Spectrum. Hein. Sur Spectrum, il est en deux couleurs. C'est un jeu que je conseille sur CPC. Sur CPC, il est vraiment beau. C'est vraiment un shoot'em up sympa sur CPC. Alors moi, bon, c'était surtout parce qu'il y a cette boîte carton. Alors, la version CPC, elle est limite introuvable. Hein. C'est vraiment. Ah ouais, les jeux Spectrum, ça va. Ouais, ça va pas durer, hein, t'inquiète, hein, y en a bien qui vont spéculer dessus. Et puis, on va se faire avoir. Je crois que c'est tout ce que j'ai récupéré sur Spectrum ces derniers jours. J'avais l'impression qu'il y en avait un autre, mais alors, du coup je m'en rappelle plus quoi. Merde. Bon, tant pis, on s'en fout. Bah, celui-là, je l'avais avant. Et donc j'ai récupéré deux jeux CPC en disquette, mais en loose. Enfin, en loose, plus ou moins. J'ai récupéré celui-là. Hop. Monty Python Flying Circus. Alors, je l'avais déjà en cassette, en original cassette. Je l'ai récupéré en original disquette, parce que je préfère jouer sur disquette, les cassettes ça me fait un peu chier sur CPC.
Surtout que mon 464+, il lit une cassette quand il veut, quoi, on va dire. Donc au moins sur disquette, je suis tranquille, mon CPC+, les lit toutes, hein, normalement. Et donc bah, celui-là, il lit. D'ailleurs, je l'ai fini à 100% pour vérifier. Un petit coup de vie infinie dans la tronche, et puis c'était terminé. Donc il fonctionne très bien. Très très bon jeu. Ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, la boîte est différente. Alors, la version cassette que j'avais déjà, c'était une petite boîte carton, là, comme je viens de montrer pour les jeux Spectrum, hein, que j'avais vu pour la version cassette. Et bien là, c'est une version avec une boîte carton, pareil, mais beaucoup plus grande. Par contre, j'ai pas la notice. Je suis en train d'essayer de protéger la disquette, mettre des trucs de protection. Voilà. Quand c'est pas mis, c'est quand même plus sécurisant de les mettre. Donc bon. Alors par contre, j'ai dû bien la nettoyer. Parce qu'elle était mais dégueulasse. C'est moi, j'ai pas gardé les. Bon, attends, heureusement que je les garde pas, les papiers. Ah bah si, tiens, il est là en fait. Alors ça, c'est le coton de nettoyage de la disquette. Hein. Alors je vous explique. Pour l'état, ça c'est juste le disque interne, c'est pas le dessus de la disquette, hein, c'est sur le disque en lui-même. Hein. J'ai même pas tenté de la mettre dans le lecteur avant de l'avoir nettoyé. Hein. Moi, je pense que j'ai bien fait parce que mon lecteur il aurait pas aimé, je pense. Donc je l'ai nettoyé dès que je l'ai reçu, elle était dégueulasse, invoyable la disquette, vraiment dégueulasse. Et elle fonctionne nickel. Par contre, une fois nettoyée, l'avantage des disquettes qui sont très très crades, c'est qu'en général, elles sont pas moisies. C'est-à-dire que c'est de la merde, il y a de la poussière à fond. Ça, c'est de la poussière. Ce qu'il y avait dessus, c'est de la poussière. C'est de la crasse poussière ou de la terre. Je sais pas ce que c'est. Mais l'avantage, c'est que ça protège limite le disque. C'est-à-dire que le disque, il moisit pas parce qu'il y a trop de merde qui occupe la place. La moisissure n'a pas la place de se mettre. Donc. Et donc du coup la disquette elle fonctionne nickel. Je suis plutôt content. Rambo, il y a deux différents packs. Ouais, mais en fait il y a plein de jeux comme ça où il y a différents packs. Je sais que Blues Brothers existe en petite boîte carton par exemple, alors que moi je l'ai en grosse boîte. Et ça dépend par qui il a été distribué a priori. Donc il y a plein de versions différentes de certains jeux, quoi. Et donc sinon l'autre jeu que j'ai récupéré c'est Extrême. Extrême, hein. Tout le monde connaît de David Perry, Yannick Brutti. Alors lui c'est en 12, hein. J'ai pas la boîte. Je suis bien content. Alors faut que je le finisse, hein. Je l'ai pas terminé. Donc, normalement il fonctionne, hein, parce que c'est un jeu qui se charge une fois dans 64 kilos. Voilà, je crois que c'est tout. Je regarde vite fait derrière moi si je vois pas des trucs qui traînent que j'aurais pas montré. Non, je crois que c'est bon. Ça m'a l'air ok. Bon, bah voilà. Allez, on va passer en scène de jeu. Zou. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi est-ce que j'ai. Pourquoi est-ce que c'est centré comme ça là? Ah, ça me plaît pas. Est-ce que je peux décaler ça comme ça? C'est pas ça. Forcément, il ne prend pas le bon truc. Hop, voilà. Voilà, on va le mettre comme ça, histoire que les logos prennent pas de la place. Les boîtes plastiques cassettes, ça doit être difficile à trouver pour remplacer les cassiers. Bah, non, ça va encore. C'est moins difficile que de trouver des boîtes plastiques pour PSX, par exemple, pour les jeux PSX. Et là, je sais que ma femme, Pauline, voudrait. Oh, c'est pas la bonne manette. Ma femme voudrait des boîtiers pour remplacer certaines boîtes de ces jeux PS1 et en fait elle en trouve pas quoi. Ou alors c'est super cher, genre 5 euros la boîte quoi. Ah, disquette! Ah, tu veux dire les comme ça là? Ah ouais, non, ça c'est super chouette. Ouais, alors moi j'en ai récupéré pas mal il y a quelques temps. Et pas suffisamment. Donc du coup moi ce que je suis passé en fait je me suis acheté une imprimante 3D exprès pour me faire des boîtes et je me fais des boîtes comme ça. Tu vois les boîtes je marque même le nom sur le côté je sais pas si ça se voit si ça se voit je marque le nom du jeu et ça ferme avec un petit système. Alors on peut voir derrière avec un petit système de trucs qui s'emboîtent.
C'est un truc à imprimer légèrement avec une légère cote légèrement dessus. Et du coup voilà. Tac, ça se ferme. Comme ça, disquette à l'abri, ça tient plus rien, quoi. Voilà. Bon, allez, on passe au jeu. Alors, on va faire. À la demande de Golem 13 qui n'est pas là ce soir, on va se faire Jarlac. Tac. Et on va essayer de le finir. Alors, je l'ai fini. Je l'ai fini hors stream. Je me suis un peu entraîné. Comme ça va permettre d'en dire quelque chose. Alors, déjà, la première chose, cet écran est super moche. Je sais pas, est-ce qu'il y a une boîte, une. Ah, je pouvais mettre en pause en faisant ça. On va juste faire ma recette. C'est où ça? Rosette. Plus qu'un sticker sur la boîte de jeu. Ouais, on pourrait, ouais. Alors, si je peux faire une pause, voilà, hop. Donc voilà, l'écran titre. Honnêtement, c'est moche. C'est même très très moche. Alors c'est assez curieux parce qu'on sent bien que c'est une composition. Le mec, c'est pas forcément. C'est pas un transfert direct dégueulasse. Hein. Le mec, il s'est fait chier quand même à faire son graphe. Mais putain, ce que c'est moche. Il y a des trucs que je comprends pas. Enfin voilà, c'est très 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 fouillis. C'est le bordel. Il y a. C'est totalement imprécis et les proportions sont complètement bizarres en fait. Il y a des. Ah ouais, et puis le choix des couleurs n'est pas terrible non plus. Ouais. Le personnage avec la peau verte, c'est un peu étrange hein, quand même. Bon, après, pourquoi pas hein, ça se trouve, c'est un je sais pas quoi comme bestiole. Hein. Pardon. Mais la composition de l'écran, enfin, l'ensemble est moche en fait. Il y a quelque chose qui colle pas. C'est très fouillis, très brouillon. Ça manque vraiment de travail. Ouais, Hulk un peu. Ouais. Ça manque vraiment de travail quand même. Alors c'est dommage, hein, parce qu'on sent qu'il y a. Le mec, il a essayé quand même. C'est pas de la merde. Hein. Il a fait un vrai graphe lui-même, sans partir de quelque chose. Mais. Parce qu'il y a des endroits qui sont pas trop trop moches en fait. Tous ces endroits-là, bon, ça manque de travail. Hein. Les rochers manquent de travail énormément. Alors, par exemple, le marron gris noir, là, c'est dégueulasse, c'est moche, quoi. Là, ça s'en sortait presque un petit peu mieux, mais y a l'herbe était pas trop trop mal, on va dire. Mais ça manque de travail. Là, on voit qu'il y a des petites trames qui sont plutôt bien. C'est bien tenté, quoi. Mais la globalité du truc est moche, en fait. Hein. Le squelette est moche. Hein. Bref, c'est moche, quoi. Alors. Salut Shoryu. Faudra me dire si la musique du jeu est trop forte, hein, par contre. C'est pas mal hein, cette musique. Allez, hop. Donc voilà, on est une espèce de méchant qui a transformé la gonzesse en statue. Voilà. Donc le code de Tony Ramirez, graphiquement, c'est. Bah, j'arrive pas à lire en fait. C'est Alki. Un N, Alkino.
Je sais pas ce que c'est. Là, ici, je vois pas ce que c'est, ça. Putain, il y a vraiment des gros problèmes de graphes, quand même. Ouais, il y a eu bien pire. Bien sûr qu'il y a eu pire comme graphe, ça, c'est sûr. Ouais, il y a eu mieux aussi. Surtout en 2018, il y a mieux, quoi. Et donc, voilà, musique de José A. Martin. Et donc c'est sorti pour le concours Retrobyte en 2018. Les musiques sont vraiment bien par contre. Bon allez, on y va. Oh merde, je me suis trompé de touche. J'avais appuyé sur ouvrir un fichier ou je sais pas trop quoi. Enfin, j'appuie sur F2 au lieu d'appuyer sur 2. Allez, play. Voilà, alors ainsi le jeu. On a notre personnage qui bouge tout le temps. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, il y a quand même quelques petits trucs à dire. Ce qui est étrange, c'est ses cheveux là. Qui n'arrête pas de bouger à chaque fois que lui il bouge. Personnellement, j'aurais pas fait ça. Et l'espèce de pixel jaune qu'on sait pas ce que c'est là. C'est un peu curieux. Alors pourquoi pas, oui, bonhomme, il bouge, il respire, machin, ou il est énervé, je sais pas ce qu'il a. Mais les cheveux, c'est peut-être un peu trop. Bon, bref. Donc on a la gonzesse qui est là, hein. Le but du jeu, ça va être bien évidemment de la faire revenir, entre guillemets, à la vie. Hein. Puisqu'elle a été transformée en statue. Alors tu vas voir, la musique in-game est franchement sympa. Hein. J'adore la musique in-game. Alors elle me rappelle quelque chose. Et je sais pas quoi, j'ai pas retrouvé ce qu'elle me rappelle. Alors, donc, pour sauver la bien-aimée, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est ramasser des cœurs. J'aime bien ce passage. J'adore cette musique. Donc il va falloir ramasser des cœurs. Alors, les cœurs, il va falloir en ramasser un certain nombre puisqu'il va falloir en ramasser autant qu'il y a de points ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cœurs. Voilà. Alors ce qu'on a d'autre. Ici on a une barre de magie qui va se remplir à chaque fois qu'on tue un ennemi. Quand cette barre sera pleine, hein, en fait ce qui va se passer c'est qu'on pourra tuer tous les ennemis à l'écran en appuyant sur en bas. C'est-à-dire utiliser la magie, puisque là c'est la magie. Et donc en appuyant sur en bas, ça tuera tous les ennemis à l'écran. Et aussi, surtout ce que ça fera, c'est que les cœurs qu'on peut ramasser en fait sont en pierre. Et le seul moyen de les faire redevenir des vrais cœurs, bah, c'est d'utiliser la magie pour casser la pierre et récupérer les cœurs. Donc voilà. Bon, ici on a une barre d'énergie, ici on a notre nombre de vie qui est égal à 5, même si on ne voit pas trop que c'est un 5. Voilà, de toute façon, on va parler des graphes rapidement. Hein. Ouais, mais la musique est vraiment bien. Bon, voilà, alors non, ce qu'on peut faire, c'est donner des coups d'épée. On peut faire que ça, il n'y a qu'un seul coup d'épée possible. On peut sauter, on ne peut pas taper pendant qu'on saute. Ça, c'est un peu une curiosité du jeu. On peut sauter, mais on ne peut pas taper pendant qu'on saute. On ne peut pas se blesser. Donc voilà, hein, c'est très très simple. On peut sauter et taper quand on est au sol. Voilà, donc là, on a un ennemi, une araignée, voilà, je l'ai tapé, ça a augmenté ma jauge d'énergie un petit peu. Juste au-dessus de moi, ici, on a un des fameux cœurs. Donc pour l'instant, il est en pierre. On ne peut pas le ramasser. Donc, ce qu'il faut, c'est remplir la jauge d'énergie. Et l'astuce pour remplir la jauge d'énergie, c'est de trouver un endroit où il y a un ennemi qui arrive relativement rapidement. Et de changer... d'alterner comme ça entre deux écrans pour tuer l'ennemi en boucle et du coup remplir la jauge d'énergie. Donc là encore un, voilà, ma jauge d'énergie est pleine, je retourne à gauche et donc là je vais appuyer en bas, attention, vous regardez le cœur là qui est au-dessus de moi, attention, c'est parti, ouf, et voilà, le cœur s'est transformé en vrai cœur. Je peux pas le ramasser, il faut vraiment que j'aille dessus pour le ramasser. Voilà, donc là je vais re-remplir ma jauge d'énergie. En fait, on passe notre temps à remplir notre jauge d'énergie.
Il n'y a pas qui peut faire un gameplay avec deux fire. Pourquoi rester à l'ancienne? Le hold gère deux fire. Il en gère même trois. Ouais, bah, je sais pas si gère deux fire en fait ce jeu, parce que moi de toute façon sur mon PC je peux pas mon adaptateur, parce que je joue toujours avec une manette CPC sur PC. Manette CPC plus qui a deux fire, mais mon adaptateur ne gère pas deux fire. Donc dans tous les cas je n'aurai qu'un fire. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit du gameplay. Ah non, il y a encore un truc qu'il faudra que je dise. Donc on a une jauge d'énergie, comme je l'ai déjà dit. Cette jauge d'énergie, on peut la recharger en fait. Et pour la recharger, c'est simple, il suffit d'aller dans l'eau. Si on est dans l'eau, ça recharge la jauge d'énergie. Allez, on se dépêche. Et... Oh putain, voilà, je suis tombé. Donc là, j'ai perdu un max d'énergie hein, parce que je me suis fait toucher. Donc je vais aller en rechercher, du coup. Voilà, donc là, il y a de l'eau. Je me mets dedans, mon énergie remonte. Allez, on recommence. Ah, parce que tout le monde n'a pas de manette, je pense, hein, avec deux ou trois fire. Hein, sachant que le troisième fire sur CPC Plus, il n'est pas câblé. Donc t'en as pas sur CPC Plus. T'en as que deux sur CPC Plus et trois sur CPC Old. Une des raisons qui fait que la MX Mousse, par exemple, n'est pas utilisable. Alors là, voilà, là, il y avait un autre cœur. J'en ai profité pour aller chercher. Tant que j'y étais. Ah merde, je suis tombé à côté. Oh putain, j'ai perdu une vie. Quelle merde. Putain. Boulet. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Ah, c'est plutôt pas terrible, j'ai perdu une vie dès le début du jeu, quoi. Quel con. En fait, je suis resté coincé sur le bord de l'écran. Hein, parce que ça, c'est un autre problème du jeu. C'est qu'à certains endroits, bah, ils n'ont pas prévu d'écran entre guillemets intermédiaire. C'est-à-dire que là, je sautais, je me suis collé sur le côté gauche de l'écran en voulant aller sur un écran à gauche, par exemple. Sauf qu'il n'existe pas. Donc du coup, je me suis retrouvé bloqué sur le bord de l'écran. Sans pouvoir m'en sortir, quoi. Voilà, j'ai deux cœurs. Là, on a vu maintenant, on a deux petits points rouges ici, puisque j'ai deux cœurs. Non, faudrait éventuellement sur ces PC recréer une carte avec un adaptateur manette et recréer des manettes avec plusieurs boutons, quoi. Il y a moyen d'avoir une manette avec plein de boutons, hein. Même sur un CPC de base, hein, je veux dire, on prend la prise joystick avec deux fire, et puis donc sur une manette, hein, donc croix directionnelle plus deux fire, et puis on câble la deuxième manette aussi sur la manette, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons en plus, quoi. Ça ferait 8 boutons, peut-être un peu beaucoup, quoi, mais on peut, hein. Ouais, ouf. Je pense pas que ça aura changé grand-chose en fait. Non, c'est sûr. Déjà, ils auraient fait des jeux qui exploitaient vraiment ces PC. Ça aurait déjà été beaucoup mieux. Alors, voilà, ces ennemis-là, ils sont super casse-couilles. Hein. Ceux qui nous suivent. Allez, on va aller récupérer d'autres cœurs. On va essayer de pas trop crever. Puis après, on parlera des graphes. En plus, putain, je me fais retoucher, moi, quel con. Ah, mais je crois que de toute façon, il y a de l'énergie. Voilà, là, il y a de l'énergie. Ah, j'arrête pas de me faire toucher par un ennemi. Ah, ça bug à moitié. Hein. On voit la barre d'énergie, elle bug. Parce que je me fais toucher par un ennemi pendant que je remplis ma jauge, donc ça déconne.
Ouais, c'est ça, honnêtement, ça aura pas changé grand-chose. Hein. Voilà, pareil, je vais remplir ma jauge hein, de magie pour la récupérer. Le cœur qu'il y a à droite. Voilà, ma jauge d'énergie, elle est pleine. Je reprends de magie, elle est pleine. Tac. Et j'ai un cœur à récupérer. Alors, j'espère que je vais me souvenir de tous les endroits. Pas garanti, donc là faut sauter le plus possible à gauche, voilà. Et j'ai oublié de remplir ma jauge d'énergie, donc je l'ai dans l'os. Putain, quel con. Quel nul, parce que là je peux pas remonter là. Je sais même pas si ça vaut le coup que je continue, il vaudrait presque mieux que je recommence le jeu. Là, ça va m'obliger à faire un vieux détour juste pour ce cœur-là, quoi. Je rentre très con quand je me mets, moi. Bon, c'est pas grave. Par exemple, sur mon Spectrum, pour revenir à ce que tu disais, TSM, sur mon Spectrum, j'ai câblé. Je sais pas si on voit mon Spectrum derrière moi, là. Sur mon Spectrum, je me suis fait un adaptateur. Alors, si je fais maison avec des fils, qu'est-ce qu'on voit là? On voit pas. Je vais mettre un peu plus comme ça. Ah, presque, presque. Voilà, on voit presque. Hein. Donc, je me suis fait un adaptateur avec des petits fils rouges là. Où en gros j'ai relié sur une broche du deuxième joystick pour récupérer le deuxième fire, tout simplement. Donc, au lieu de sélectionner joystick dans les jeux, bah, je sélectionne keyboard, redéfinir le keyboard, redéfinir le clavier, et du coup ça me permet de récupérer deux fire sur Spectrum. Voilà, hop. Voilà, un des trucs à récupérer. Je vais remonter ma jauge de magie. C'est vraiment dommage que j'ai loupé le cœur là. Connement en plus quoi. J'aurais juste remonté ma jauge d'énergie, c'était bon quoi. Voilà. Ça c'est bon. Parce que là je peux pas y remonter au-dessus quoi. Donc, ça c'est vraiment chiant. Passage chiant par là. C'est tendu le saut. Hein. Alors là, pareil, je vais remonter ma jauge d'énergie si je peux. Doucement. En évitant de me faire tuer, ce qui est vraiment pas gagné. Je dirais même que c'est peine perdue d'avance. Je vais perdre une vie. C'est sûr. Ah non, elle a d'énergie. Ouais, je suis revenu au début. Alors je vais peut-être. Est-ce que je refais un tour pour récupérer le cœur que j'ai loupé? Ça pourrait valoir le coup quand même. Allez, on y va.
Oh, Grim Pirate sur CPC, c'est pas le jeu du siècle. Hein. Déjà, il n'a pas de scrolling, ce qui est un peu étrange pour Grim Pirate. Hein. Franchement, il y aurait moyen de le refaire, Grim Pirate. Avec un scrolling. Oh là, ouais, oh. Ta gueule, toi. Hein. Voilà, donc là. Hop. Et voilà. Putain, il me manque un point d'énergie de merde. Putain, j'ai plus qu'à recommencer encore. Oh, ça me gave. Il me manque juste un point d'énergie, mais quel con, quoi. Sans déconner. J'ai plus qu'à me retaper un tour, quoi. Il y a vraiment des jours où tu fais que de la merde. Là, aujourd'hui, par exemple. Je vais finir par perdre une vie connement. Je le vois gros comme une maison. Voilà, c'est bon, hein, ma jauge d'énergie est pleine. Tac. Tac. Oh bon, il y aurait tellement de jeux à refaire. En plus de Green Beret. Allez, on prend l'énergie. Cette fois, ma jauge est pleine. Donc, je peux y aller. Ouais. Ouais. Je l'ai. C'est bon. Il est pas si mal que ça, hein, ce petit jeu jarlaquin. Même plutôt bien comme jeu. Pas très difficile. À part un passage. Oh, ça, j'ai complètement chié dans la colle. J'ai perdu une vie. J'en ai plus que 3. Comment que ça se fait que j'en ai plus que 3? Ben, j'en ai perdu qu'une. Non, j'en ai perdu 2. Allez, on va remplir la jauge d'énergie. J'avais pas l'impression d'en avoir perdu autant. Bon, surtout qu'il y a un passage à la con où souvent je perds beaucoup d'énergie. Enfin, beaucoup de vie plutôt. J'espère que je vais y arriver du premier coup. Voilà, l'énergie est remplie. Oh merde. Putain, quel con. J'avais oublié l'araignée. J'ai plus qu'à aller remplir ma jauge d'énergie. Sans déconner, quoi. Et voilà, je l'ai encore oublié, je suis vraiment idiot moi. C'est pas grave, elle m'a pas trop fait mal, j'ai pas avancé en même temps. Oh, les graves de Morteviel, c'est du transfert direct hein, de la Terre IST. Hop, un cœur. On y va. Un cœur en plus. On récupère de l'énergie. De la magie plutôt. Je sais même pas si les autres se sont rendus compte que je streamais en fait, parce que je stream, mais il y a. Vous êtes que deux, a priori. J'aurais peut-être dû dire sur le Discord que je streamais. Voilà. L'autre truc pénible de jeu, c'est que quand. Voilà, je perds une vie, putain. Jeu de merde. Voilà, les ennemis, quand ils sont sur nous, on ne peut pas les tuer. Alors ça, c'est débile, ou possible. Putain, il me reste plus de vie, quoi. Saloperie de jeu de merde. Voilà, c'est sûr que je vais perdre et que je peux y arriver. Alors, un cœur.
d'énergie déjà. Donc je vais reperdre une vie. Comme un grand. Alors, magie à la fond. Bon, je vais aller rechercher de l'énergie. Là, je peux la rechercher facilement, sans trop risquer. Salut Glabby. Les jeunes, ouais. On commence à être un petit peu tous vieux, hein. Je sais pas s'il y a des gens de moins de 30 ans. Encore sur ces PC, est-ce que ça existe encore des jeunes? Je ne sais pas. Voilà, bon, j'ai repris de l'énergie, il était temps. Pas avant 75 ans. Ouais, de toute façon, les jeunes dans notre tête, rien, on joue encore hein, des vieux jeux vidéo. Moi, je sais pas, ouais, bah, de toute façon, ça va être rare, mais il doit bien en rester quelques-uns. Allez. Alors, je vais commencer par. Bah, non, bah, en fait, par là, parce que je crois que de toute façon, ça sert à rien que j'aille à gauche, si je me souviens bien. Alors on peut arrêter les tirs ennemis en tapant au bon moment. Mais il faut taper au bon moment. Pas évident. Allez, hop, on se casse. Voilà. Et là, je savais qu'il y avait de l'énergie. Et en plus, il y a un cœur. Et on va reprendre de la magie, ce qui va être très rapide. En plus, comme il y a de l'énergie juste à côté. Je m'en fous de me faire toucher. Voilà, hop, je récupère toute mon énergie et c'est reparti mon kiki. Alors, ah oui, ici. Le père CPC, la fille tombe dedans. Ouais, bah de toute façon, ça, t'es toujours influencé par tes parents, hein, ça c'est obligé. Hein. Allez, encore un cœur. On remonte. On va re-remplir notre jauge. Ouais, j'aurais presque pu le faire après, remplir ma jauge en fait. C'est moins dangereux ici quoi. Je me ferai pas toucher ici. Voilà. Alors soit je remonte et je prends de l'énergie au-dessus. C'est le bon influencement, ouais. Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend. J'ai envie de dire que tu vois dans l'éducation, par exemple, un enfant qui s'est fait. Taper dessus par ses parents étant gamin a tendance à reproduire à l'âge adulte ce genre de façon d'élever ses propres enfants en fait. Donc l'éducation c'est j'aime pas ce passage. Ah bah tiens voilà Fred, c'est maintenant que t'arrives alors que je fais le jeu que t'as demandé. Ah je préviens jamais, faut surveiller. Moi je préviens pas moi. De toute façon, dans l'état actuel des choses, je risque d'être obligé de recommencer parce que c'est ma dernière vie, parce que je fais de la merde. Parce que je fais de la merde, donc il ne me reste plus qu'une seule vie. Et voici le passage que je déteste le plus dans le jeu, voilà, donc j'ai perdu. Donc c'est pas grave, je vais recommencer. Voilà, c'est fait. Top. Je recommence. Ouais, je recommence. On va le finir. C'est dommage parce que il me restait un ou deux cœurs, je crois, à prendre.
Ouais, j'y ai pensé après, j'aurais dû le dire vite fait sur le Discord, et puis j'ai zappé, j'ai complètement oublié. Moi, pas de notif, ouais, bah écoute. On recommence. Ah, c'est bien, tiens, tu vas me dire ce que t'en penses, Fred, de jeu. Alors, donc, comme je l'expliquais, il y a une barre d'énergie ici. Une barre de magie. Alors, la barre d'énergie, elle est là. Là, il y a la barre de magie qu'on remplit en tuant des ennemis. Donc l'astuce, c'est que bah, tu changes d'écran, les ennemis repopent, tu les tues, tu remplis ta barre de magie. D'accord? C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, encore un. Voilà, ma barre de magie est à fond. Ah bah d'accord. Et voilà, donc une fois la barre d'énergie à fond, je peux éclater la bestiole et surtout éclater le cœur. Le retransformer en vrai cœur plutôt qu'en cœur de pierre. Alors moi ce que j'attends surtout c'est les commentaires sur les graphes. Parce qu'en plus j'ai pas encore fait de commentaires sur ces graphes. Hormis l'écran d'intro qui est affreux. Pour aller récupérer l'énergie tout de suite. Oh, quoique, il m'en manque un tout petit peu, ça peut éviter de perdre une vie. On va dans l'eau, on récupère toute notre énergie. Ça fait un peu fouillis, hein. Déjà, ouais, la première remarque, c'est ça. Ça fait... Merde, putain! Je me suis fait toucher comme un gland. Oh là là. Ah c'est bon, j'ai réussi à m'en sortir. Si je me fais pas toucher, je vais pouvoir aller à la piscine. Récupérer l'énergie. Putain, j'ai failli crever là. Bon, j'ai récupéré mes deux cœurs comme un gros goré, mais je les ai récupérés. Alors moi le premier truc c'est que ouais ça fait fouillis. Honnêtement ça fait très 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 fouillis. C'est très très bizarre. C'est assez inégal comme graphe. Il y a des endroits où il y a des graphes qui sont plutôt jolis, qu'on reconnaît bien les choses. Puis d'autres endroits aussi, mais certaines portions de graphes qui sont complètement fouillis en fait. Et l'aspect général du jeu fait fouillis. Et le deuxième truc. Moi j'ai un sentiment d'écrasement dans le jeu. Que tout est aplati. C'est dû à quoi en fait? Bah, c'est dû au fait qu'il utilise des tiles qui font des blocs de 16 par 8 en mode 0. Hein. Donc un bloc qui fait toute cette largeur là, qui fait ça quoi. Pour tous les graphes. Alors, ça c'est un bloc voilà, qui fait cette taille là. Ça, c'en est un autre. Et le problème, c'est que tout fait écraser. Le personnage fait écraser, paraît écraser. Parce qu'en lieu pareil, il fait exactement 32 de haut. Tout fait écraser. J'ai l'impression que tout est écrasé. Quand je joue à ce jeu, c'est l'impression que j'ai eue. C'était vraiment l'impression de voir des trucs tout écrasés. Comme un mauvais ratio, en fait, quoi. Alors ensuite, il y a des problèmes de gameplay. Il y a des problèmes de gameplay. Alors par exemple, le fait de ne pas pouvoir taper pendant que tu sautes, c'est un peu pénible. Le fait de sortir de l'écran, sans avoir un truc au-dessus, dans la première partie que j'ai faite tout à l'heure, en fait, j'ai sauté sur la gauche, et je suis resté collé le long de l'écran, parce qu'il n'y avait pas d'écran sur le côté gauche. Et j'ai perdu une vie à cause de cette connerie, parce que je voulais tomber sur une plateforme qui se trouvait dans un écran en dessous de ça, tu vois. Et moi j'étais là. Et donc j'ai voulu forcer sur le côté pour passer sur un écran hypothétiquement là et tomber sur l'écran d'en dessous où je voulais aller. Sauf qu'il n'y en avait pas. Donc en fait j'ai longé tout l'écran, puis je suis tombé comme une grosse merde en dessous où je me suis éclaté quoi. Donc ça c'est un gros problème. Il y a un problème de collision avec le décor. C'est-à-dire que. Alors, je vais pas le faire parce que sinon je vais perdre une vie, mais par exemple là au sol il y a des pics. Admettons que je serais sur une plateforme qui serait ici. Si j'avance d'un pixel au-dessus des pics, je suis mort. Il considère que j'ai touché le pic et je suis mort.
Ouais, c'est ça, ouais, TSM, c'est un peu ça, ouais. L'impression, alors sauf pour les ennemis, les araignées, par exemple, elles sont bien. Mais par contre, globalement, tout le reste, on a l'impression que les proportions sont pas bonnes, en fait. Que tout a été étalé, tu vois, comme un pauvre con qui joue sur un écran 16:9 à la Super Nintendo, tu vois. Le mec qui a rien compris à la vie, qui déforme toute l'image. Truc insupportable, quoi. Voilà, des petits bugs. Alors là, le petit bug de je récupère de l'énergie, mais il y a un ennemi qui me touche en même temps, qui fait tout clignoter. Oh putain, j'ai pas pris de. Je reprends. Oh merde. Donc il y a quelques petits bugs. Bon, après, c'est pas bien grave, hein. Ça n'empêche pas de fonctionner le jeu. Et alors, par contre, le truc des collisions qui se font pas, enfin qui se font alors qu'elles devraient pas plutôt, il est bien pénible. Là, quand je me mets là, si j'avançais d'un pixel trop loin au-dessus des pics, je serais mort. Il considérerait que j'ai touché les pics. Pas le genre de truc débile, quoi. Alors, comme ça paraît pas gênant, mais par contre, quand tu dois faire un saut, que t'es en bord de truc, ah bah oui, tiens là. Faut que j'en fasse la même connerie que tout à l'heure, faut que je remplisse ma jauge de magie, sinon je vais me faire baiser avec le même truc que tout à l'heure. D'énergie, de magie plutôt, je vais pouvoir récupérer ce putain de cœur que j'ai loupé tout à l'heure, qui m'a obligé de refaire le tour de jeu. Alors par contre le côté tu dois tuer des ennemis pour remplir ta barre de magie, bon finalement c'est pas trop gênant, bon sinon que bah tu cheats très très vite le truc en alternant entre deux écrans quoi, vu que les ennemis repopent tout le temps. Je suis pas fan des ennemis qui repopent. Bah c'est nul, c'est surtout que c'est gênant. Je pense pas que ce soit hyper volontaire d'avoir fait ça. Hop là. Ah on a vu des cacas en haut de l'écran hein, aussi hein, quand tu fais sauter l'écran à coup de CRTC. Il y a du caca qui aurait pu être caché. Alors des passages chiants comme ici. C'est dommage parce qu'en plus le jeu est pas mal hein. Il y a plein de petits trucs sympas dedans. Après il y a très très peu d'écran donc c'est assez répétitif. Ce qui est bien dans un jeu c'est quand t'as plusieurs univers dans le même jeu tu vois. T'es dans la forêt, après t'es sous terre, après t'es dans je sais pas quoi, château. Tu changes quoi. C'est le genre de truc qui fait qu'un jeu est intéressant parce qu'à chaque fois que tu vas y jouer, t'avances un petit peu et tu découvres des nouveaux trucs. Là par contre, par exemple sur les graphes, là ce qu'on pourrait reprocher, c'est qu'on voit les tailles. Là on voit bien hein, que là, il y a une taille qui commence là et qui s'arrête là. Hein, et puis que ça fait un rectangle, un autre rectangle là, un autre rectangle dessus. On les voit trop en fait. Alors, on va passer à un des passages chiants que j'ai bien réussi tout à l'heure. Donc, si je pouvais le réussir aussi bien maintenant. Putain, c'est bon, j'ai pas touché le truc. Voilà, oh, putain, je vais peut-être y arriver. Hein. Je me démerde pas trop mal. Voilà, hop, on se casse. Oula, putain. Non, non! Voilà, j'ai perdu une vie bêtement. J'ai voulu aller trop vite. C'est ma faute. Bon, c'est pas grave, j'ai perdu une vie. Je peux largement finir le jeu, même avec ça. Alors là, on va éviter de tomber dans la lave, hein. Voilà, c'est bon, on a fait le tour. Hop là. On va remplir notre jauge de magie. Par contre, la musique, elle est vraiment cool.
elle est vraiment cool. Elle est peut-être un petit peu courte, mais elle est vraiment cool. Niveau son, niveau composition, j'aime beaucoup. Allez. Notre copine qui est changée en pierre. Hop. Allez, on remplit notre jauge. On va essayer de pas perdre de d'énergie là, à vouloir aller. Voilà, c'est bon. On a réussi à pas perdre d'énergie. Oh putain, j'ai eu peur que je touchais le bord, hein. Hop là. Hop là. Je vais aller chercher l'énergie. Je repasserai par là. Bon, c'est pas mal là. Je m'en sors plutôt bien. Je suis assez content de moi. Je continue comme ça, je devrais. On devrait voir la fin du jeu. Alors, la fin du jeu, je l'ai pas vraiment vu quand je l'ai terminé en fait, parce que j'ai appuyé sur Fire trop vite. Ou je suis resté appuyé sur Fire, je sais pas. En tout cas, bah, j'ai fini le jeu, mais sans voir s'il y avait vraiment une scène de fin, quoi. Il y a du maître. L'onglet énergie magique, voir cette place aplatie de l'écran de jeu. Hein? J'ai pas compris ce que tu dis. Tu m'as fait tu m'as parlé d'une langue que je ne comprends pas. Il a dû mettre l'onglet énergie magique pour avoir cette place aplatie de l'écran de jeu. J'ai pas compris. Les jeux où il y a un gros HUD hein, comme ça, hein. En général ça pue du slip. Hein. C'est un peu comme les jeux où il y a plein de vie quoi. T'as plein de vie, tu sens que c'est le jeu qui va être difficile. Hop là. Alors. Voilà, hop, un cœur. Tac, de l'énergie. Il nous reste trois cœurs à choper. Ça va vite à remplir une jauge quand les ennemis arrivent aussi vite. Ouais, c'est assez rapide. Ouais, ça bouge bien. Hein. Sinon, ça bouge bien. Hein. C'est plutôt pas mal. Niveau 4, c'est plutôt pas mal, je pense. On est dans un truc quand même bien fait. Il y a quelques petits défauts de gameplay, de grave, de machin. Mais le jeu, grosso modo, il fonctionne bien. Pas vraiment de soucis de ce côté-là. Vite. Allez, on va arriver au passage pénible là. Non, honnêtement, moi c'est un jeu que je trouve plutôt pas mal. Hein. Ouais, y a pas des masses de trucs quoi. Quand t'as trois sprites à l'écran en même temps, c'est vraiment le grand maximum. Hein. Le grand maximum, c'est deux ennemis plus toi, quoi. Voilà, là, on était au maximum. Donc, effectivement, c'est pas... Enfin, je veux dire, un truc comme ça, il n'y a peut-être même pas besoin de faire...
de double buffering ni quoi que ce soit, ça doit pouvoir passer sans souci. Alors, le passage chiant est juste là. Je déteste ce passage. Parce que là, faut sauter sur le truc. Oh putain, j'ai réussi. Du premier coup, quoi. La star. Parce qu'il est vraiment mal foutu, ce passage. Vraiment, le risque de mourir est super élevé. Allez. Alors, je pense qu'on devrait voir la fin du jeu. Hein, parce que là, il me reste 4 vies. Ah oh, putain, il n'y a pas d'énergie par là. Remplir ma jauge. Voilà. Et là, on a un deuxième passage qui est un petit peu pénible. Il va falloir sauter un peu à l'aveuglette. Hein. Voilà. Non, je crois pas. Je crois qu'il était réalisé que sur CPC. Hein. L'écran d'origine devait être plus grand. Oh, manque de place pour intégrer les barres d'énergie magique. Ah non, non, non. Moi, je pense pas. Hein. Il a été fait directement comme ça, le jeu, je pense. Je pense que c'est voulu, en fait. C'est surtout que c'est un jeu qui tient en 64 kilos. Et du coup... Ah, merde. Allez, connard. Allez. Hop. Tac. J'ai tous les cœurs. Il me reste 3 vies. Donc, 3 vies pour exterminer le boss. De l'énergie quand même. Ah putain, je vais pas pouvoir en plus. Je suis obligé de passer par le boss si je passe par là. Oh, j'ai perdu une vie rapidement. Hein. Voilà, donc ça c'est le boss. Oh merde, là je me suis fait toucher. Échappement. Hein. Ah bah voilà, bah la fin. Bah je l'avais pas vu ça. Ah bah ça a été rapide. Hein. Et l'autre fois j'avais même pas vu la petite animation avec le cœur. Bah dis donc, ça dure pas longtemps. Hein. Bon je me serais entraîné pendant 4 jours pour le finir. Donc il est vraiment pas dur comme jeu. Ouais c'est ultra court, t'as vu ouais. Bon après, je t'ai dit, hein, il m'a fallu 4 jours pour le finir. Donc le temps que tu... on va dire que tu découvres la map, que tu découvres où sont les cœurs, certains endroits qui sont un peu chiants à trouver. Hein. Des endroits j'ai cherché un petit peu. Hein. Mais globalement, il n'est pas long du tout. Il est même très très court. Et je suis sûr qu'on peut optimiser en plus l'ordre dans lequel tu... Tu vas et tu dois pouvoir faire encore plus court. Non, je vais pas dessiner la map, non du tout, non. Mais moi je sais pas, faut regarder sur CPC Pouvoir, peut-être qu'elle y est. Déjà, ça m'étonnerait que Bruno ne l'ait pas fait, hein. Encore que. Mais de toute façon, elle est rapide à faire, hein. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'écran. Tiens, bah, je vais aller voir, tiens, sur CPC Pouvoir si elle existe. Jarlac. Alors, ah bah tiens, map. Alors, combien d'écrans?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 écrans. C'est vraiment pas grand. C'est vraiment pas grand. Oh, je sais pas. Attends, on va regarder. Merde, oh, je me suis encore trompé de bouton, bordel de. Ah bah c'est un écran de taille standard. C'est un écran de taille standard. Donc du coup du 80 octets de large par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 x 16. Pourquoi 16? Pourquoi je dis 16? Ah si, mais si, 16. Donc 128. 128 de haut. 80 par 128, quoi. Bon, voilà, hein, c'est... C'est un bon petit jeu. Il est sympa. Non, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, d'astuce pour la largeur d'écran. À la limite, il aurait peut-être mieux fallu qu'ils augmentent la hauteur de l'écran. Puis surtout, ce qui est gênant, c'est les écrans manquants. Quand tu sautes, que tu es à gauche d'un écran, que tu sautes pour aller sur l'écran de gauche et qu'il n'y en a pas, qu'il n'existe pas et que du coup tu tombes le long du border. Ah, c'est con, j'aurais dû le montrer. Bon, tant pis. Mais par exemple, ça c'est très très con. C'est plus que dommage même. Alors, on va finir en faisant une ou deux parties rapides d'un autre jeu. Alors là, il y en a au moins un qui a compris. Alors, j'ai pas eu le temps d'y rejouer du coup, parce que comme je m'entraînais à Jarlac, alors non, non. Donc je sais pas si je vais aller loin. Ouais, c'est le 1. Ouais. C'est le premier, mais je me suis pas entraîné. Alors c'est un jeu de 86 hein, quand même là. Là on est dans un vieux jeu de 86. Alors c'est normal, graphiquement, bah ouais, on pourrait mieux faire. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Même cet écran titre. Mais il est plutôt bien composé comme écran titre. Hein. Ouais, bah tu sais que je l'ai connu il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il y a quoi maintenant? Ça fait peut-être 2 ans que je le connais ce jeu. Bon, je me sais pas. Bon, on peut passer là à l'écran là, c'est quoi ce délire là? Ah bon quand même. Alors, Rougar. Hein. Donc c'est profanation. Alors, bon, le début ça devrait aller, je pense. Hein. Ouais, il est pas si mal. Bon après voilà, c'est l'époque, c'est 86. Pas très travaillé quoi. Hop. Alors déjà, contrairement à Profanation 2, le premier écran, on arrive à le passer. Hein. Allez, zo. Non, moi non plus, j'ai pas compris. J'ai absolument pas compris. Mais pourtant, j'ai mis toute ma bonne volonté hein, pour le finir. Hein. Merde, oh putain, trop tôt. Je sais pas si j'ai bien fait de finir Profanation 2 en fait. Ah ouais, non, mais voilà, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment...
Surtout qu'en fait, le premier profanation, quand tu le connais vraiment bien, ben, il y a très très peu d'endroits qui sont vraiment chiants. Alors là, je vais faire de la merde, hein, c'est fort probable, hein, parce que déjà c'est en stream, donc c'est plus compliqué, j'ai envie de dire, de faire quelque chose bien. Mais surtout, j'y ai pas joué depuis. Je sais pas combien de temps, quoi. À mon avis, plus d'un an. Donc, forcément, il y a des trucs dont je vais pas me souvenir. Je vais faire de la merde à un moment ou à un autre, comme là tout à l'heure, j'ai déjà perdu une vie. On a l'impression d'être sur ZX Spectrum. Alors, figure-toi qu'il existe sur ZX Spectrum et que, en fait, la version CPC, c'est un SpaceyPort. Ça ne fait aucun doute. Je suis allé vérifier d'ailleurs. Comme d'habitude, quoi. Hop. Oh merde. Oh putain. Voilà. Ça, c'est typiquement le genre de truc que d'erreur que tu fais pas quand tu connais le jeu, quoi. Ah putain, voilà, je suis pas assez précis. Il va falloir que je refasse une partie, je pense. Je manque de précision. Merde. Oh, c'est pas possible. Bon, j'ai déjà perdu plein de vies, hein, c'est jamais le barré. Hein. Ouais, bah. Moi, je l'ai fini, mais sans cheat. Hein. Je me suis acharné. Hein. Je suis dit, il y a 2 ans. Alors, je me souviens que c'était pour Noël que j'ai fini. J'en ai chié. C'est un peu le défi que je m'étais lancé. Trop tard. Ah non, c'est bon. Putain, je pensais que j'étais trop tard. Ouais, Mask of Zor, mais ça se voit pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où t'as les trucs qui superposent en fait. Puis surtout t'as un fond noir quoi. Alors, faut être patient. C'est la règle d'or de jeu, c'est d'être patient. Ne pas y aller comme un gros bourrin, il y a le temps. Alors oui, ça faut le suivre. Hop là. Hop là. Ouais, bah, techniquement, c'est propre. C'est même pas que techniquement, c'est propre. C'est qu'il faut remettre ça dans le contexte. On est en 86. Il y avait quand même des grosses merdes en 86. Hein, des jeux qui étaient bien pourris. Alors, je veux dire, quand tu vois un Jet Set Willy à côté de ça, il n'y a pas photo. Hein. Un Nano Sonic, ouais, c'est pas faux. Il n'y a pas photo. Hein. Moi, je prends profanation. Hein. Un niveau code entre le truc à moitié en basique et ça franchement il n'y a pas photo quoi. Ouais, bah ouais. Alors, Profanation 2, clairement, c'est un truc qui est gâché. Hein. Ils ont gâché leur truc. C'est absurde. Je crois que personne n'a compris ce qu'ils ont voulu faire. Hein. Putain, j'ai plus que 4 vies par contre. Ça va être chaud. Hein. Ah, trop chaud, ouais, trop chaud. Ah, je m'en doutais que ça passait pas. J'aurais dû passer la frame d'avant, quoi. Allez, 3 vies, je suis à l'écran 8. Dur, dur, hein. Ah, trop tard. Putain, mais quel con, je me jette dedans, quoi. 2 vies. Le mec, il saute quand le truc arrive. Eh, putain, mais je suis nul, c'est pas possible. Voilà. C'était pas compliqué, putain. Je vais même pas passer cet écran. Bah, nul. Ouais, je suis mort. Ouais, je suis mort. Putain, j'ai de la chance, il y a une vie zéro, ouais. Il y a 10 fois, j'arrive à passer direct sur le...
Non, 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 non. Ouais, ils ont voulu faire le jeu le plus dur de l'univers. Et c'est ridicule, ça sert à rien. En fait, faudrait reprendre leur jeu, faudrait aller regarder dans leur jeu où est la map. Et la modifier pour rendre le jeu jouable. Alors j'ai cru voir qu'ils avaient ressorti une autre version moins difficile a priori, mais moins difficile, c'est vite dit quoi. Je sais pas si il faudrait que j'essaye, mais surtout que je la trouve, parce que je pense que c'est qu'ils l'ont foutu. Allez, on va essayer de faire moins le con. C'est un jeu assez fidèle, ouais. Ah oui, ouais. Ouais, parce que même les les personnages qui bougent, enfin les ennemis, enfin, je veux dire, il y en a, c'est tellement, tellement exagéré les mouvements et tout ce que tu veux, que de toute façon, même en changeant la map, c'est vrai qu'il y a certains endroits qui resteront insupportables. Je suis pas le seul à avoir essayé, hein. Ziski, il y a pas mal joué au Profanation 2 aussi, hein, pour essayer d'y arriver. Je lui avais lancé le défi et il a laissé tomber, hein, parce que c'est juste infaisable. Pourtant, Dieu sait qu'il est têtu. Hein. Bah là, non, il a laissé tomber. Je pense que tout le monde aurait laissé tomber. Voilà. Alors que là, Profanation, bah là, on voit, hein, déjà, voilà, j'ai fait une partie, et bah j'y arrive déjà mieux. Il suffit d'apprendre les trucs et puis merde. Et puis du coup. Oh putain, oh, je joue au con là. Surtout faut pas stresser dans le jeu, si tu stresses, t'es mort. Trop tard, putain, mais pourquoi j'attends autant là? Je suis con quoi moi? Allez, alors là, faut être bien synchro. Faut attendre de pouvoir suivre la momie, en fait. J'aurais pu y aller, hein, tout à l'heure. Yes. Yes. Putain. C'est marrant que ce passage me fasse pas chier quoi. J'aurais pensé qu'il m'aurait fait plus chier que ça. Pour le coup. Allez, hop. Zip. Bon, c'est vrai que c'est pas le jeu le plus beau du CPC hein, quand même, mais. En 86, c'était pas mal. Voilà. J'ai failli faire le con, j'étais en retard et j'ai failli quand même continuer. Yes, bon. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Oh putain, je touche la goutte. J'étais bon pourtant là. J'ai sauté trop tard. Du coup, j'ai touché juste la goutte une fois qu'elle explosait. Bon, là, je vais éviter de faire le con et de perdre toutes mes vies comme tout à l'heure. Hein. Ah bah tiens, je suis attiré sur le truc. Ne pas stresser. Putain, on a le temps. Pardonne pas le jeu. Oh là, mais là, pourquoi je suis lent là?
Putain, mais il y a des fois, je suis con, moi, c'est incroyable. Voilà. Bon, autant perdre une vie directement, on gagnerait du temps. Il me reste plus que 4 vies, hein. Ça va être chaud, hein. Tu peux te laisser tomber direct et pas sauter par-dessus. Ouais, je sais. T'as le bon timing, ouais. Okay. Bon, faut réussir à passer les deux d'un coup. Ah, c'est mort. Ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que tu sais que t'es foutu. Tu le sais avant même de perdre. Tu le vois le moment. Le moment où t'as fait la connerie, tu le vois. Voilà. Putain, c'est chaud ça. Je me rappelle plus comment ce qu'on fait, hein. Putain, j'y étais. Je suis pas sauté, quoi. Putain, dégoûté, quoi. Ah bah, il me reste plus qu'une vie là, c'est mort. C'était pas là qu'il fallait aller. C'était à droite. Oh non. Fallait aller à droite d'abord. Putain, quel bruit. Allez, on s'en refait une dernière et puis après j'arrête. Ce sera pas pour ce soir le long play. Salut Glaby, bonne soirée. Pose-toi bien. Mais j'aimais bien, alors, franchement. Et je crois que c'est toi, Fred, en plus, qui avait dû me faire découvrir ce jeu. Qu'on avait parlé en me disant, ouais, super jeu, machin. Et c'est vrai que j'avais bien accroché. Typiquement le genre de jeu où l'acharnement paye, quoi. Ouais, il me semble bien, ouais. Mais ouais, il y a genre, ouais, il y a 2 ans, un truc comme ça, hein. C'est le genre de truc que j'aime bien parce que c'est le genre de jeu, voilà. Tu t'entraînes, tu vas de plus en plus loin petit à petit. Ouais, il y a peut-être. Je crois qu'il y avait surtout un écran qui me faisait chier dans tout le jeu. Il y avait un écran qui était compliqué pour le finir où il a vraiment fallu que je m'entraîne pendant je sais pas combien de temps. Et qui était assez difficile. Alors, je me rappelle que c'était un endroit où il y avait des murs jaunes des deux côtés qui ont tombé. Fallait remonter par la gauche, après redescendre, remonter par la droite ou une connerie comme ça. Un truc dans le genre qui était chiant. Ça fait partie du jeu, hein. C'est un jeu qu'Hélène devrait essayer, ça. Histoire de la faire rager un peu, mais moins que le 2, hein, bien évidemment. Bon, celui-là, il est jouable et finissable. Avec beaucoup d'acharnement, mais c'est faisable, la preuve. On s'améliore à chaque coup. Faut pas être une burne, hein, parce que sinon c'est sûr qu'on n'y arrive pas, quoi.
bientôt. Limite, j'étais trop tôt ce coup-ci. Le 2, c'est pas un jeu, ouais, exactement. Ouais, c'est ce que j'avais dit hein, pendant le stream. Hein. J'avais dit, je ne m'amuse pas, donc ce n'est pas un jeu. Un jeu, on s'amuse. Ouais, même les mazos, hein, je veux dire, t'as beau être mazo, ça t'empêche pas que tu te fais chier pour un jeu là. Hein. Oh putain, quel con! J'ai appuyé, j'ai le doigt qu'à. Apprécier tout seul à force d'être au-dessus de la touche, on va dire. Putain, j'ai perdu ma première vie. Ben ça va, là, je m'améliore quand même, je perds plus de vie. Avec de l'entraînement, ça le fait tout seul. Bon, là, si je pouvais déjà ne pas perdre de vie ici. On le voit, on le sait au moment où on fait la connerie. On le sait déjà qu'on est foutu, quoi. Donc là, oui, on peut se laisser tomber pile au bon moment ici. Il est passé là. Voilà, ici, comme ça. On peut le faire comme ça. Ouais. Et c'est pour revenir que j'ai un problème, en fait. Bon. Je n'importe quoi. Alors, à la limite, autant perdre la vie, hein, directement, comme ça. On gagne du temps. On gagne du temps. C'est vrai que je le faisais. Putain, mais n'importe quoi. Je le faisais comme ça, me laisser tomber. Je me souviens que je le faisais comme ça. Aussi. Allez, on va essayer d'aller plus loin. Non, trop tôt. Baiser. 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 Putain. Ah! Mon Dieu! Ah oui? Ah tiens, dis donc, j'avais même pas fait gaffe. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait des trucs qui changeaient. Comment ça se fait, ça? C'est en fonction du nombre de vies ou... C'est rigolo ça. Putain, je vais jamais y arriver à choper le bon moment là. Bon, du coup, j'arrive à passer de l'autre côté. Détection de karma. Tu crois? Ah, j'ai l'impression que le premier écran du jeu était plus rapide tout à l'heure. Voilà, bon, alors maintenant, il faut que j'arrive à repasser tout le côté gauche. Être drôle ça hein. Là je l'ai passé d'un seul coup ce truc de merde. Oh putain, pourquoi je le touche lui? D'abruti va.
Allez, il me reste 3 vies pour faire mieux que ce que j'ai fait. Putain, mais il saute! Pourquoi il saute pas là? J'y étais sans déconner là. C'est lourd ça par contre. Quand ça foire, ça m'énerve. Trop tard. Putain, je perds toutes mes vies sur ce truc de merde. Parce que j'arrive pas à choper le truc. Oh, c'est mort. Allez, casse-toi la gueule, toi pauvre con. Bah, j'y étais, il a pas sauté donc. Oui, il saute pas, il ne veut pas faire de soi la suite. Nom du jeu, putain. Codard! Je saute important. Il l'a pas fait, il le fait pas, il réagit pas quoi. Il lui faut un temps de pause entre le moment où t'atterris et le moment où tu peux sauter quoi. Crétin. Connard de jeu de merde. Oh, je dirais moi un cycle après en fait. Tu vois, je vais pas y aller là. Alors j'aurais pu. Et je vais y aller ici. Bon, allez, baiser. Et là, ça commence à m'énerver, donc je vais arrêter ici. Je le referai, c'est promis. Je le referai en stream prochainement. Mais je vais m'entraîner d'abord. Comme pour Jarlac, je vais m'entraîner. Non, c'est clair, à 23h30, c'est pas la peine. Surtout qu'en plus, il faut que j'aille me faire chier à aller mettre les poubelles, tu vois. Donc, c'est un coup, est-ce que je prenne les 7 poubelles, que je les éventre dans la rue et que je renverse toutes les poubelles du quartier à coups de pied, tu sais. Je profane, je fais la profanation des poubelles des voisins. Oh, fait chier, ouais, faut sortir à cette heure-là, quoi. Se faire chier avec ces conneries. Moi, je voudrais un truc, tu sais, tu mets ta poubelle et ça l'emmène directement avec un toboggan ou je sais pas trop quoi, et puis à la tirer direct. Ça me casse les couilles. Ça me fait chier, quoi. C'est toujours moi qui mets les poubelles, ça m'énerve. Ouais, ça s'appelle un vide ordure, mais bon, vide ordure, moi j'habite pour un appartement, quoi. Si tu veux, j'ai une maison. Donc, le vide ordure, bof, quoi. C'est pas trop le truc que t'as d'aménager sur une maison en temps normal. Donc, quoi. Enfin, bon, voilà. Donc, bah, c'est tout. Le prochain stream, eh ben, je sais pas quand. Un soir, peut-être, la semaine prochaine. Ouais, j'ai peut-être un peu plus de 8 mètres, faut que je fasse le tour de la maison, quoi, quasiment, mais. Faut d'abord que je prenne la poubelle. Hein, hein, donc la poubelle des toilettes, la poubelle de la cuisine, gna. Sortir de la maison par le sous-sol. Mettre tout ça dans la poubelle à roulettes de mes couilles, hein, et puis faire tout le tour de la maison pour aller au portail et mettre ce bordel sur le trottoir, quoi. Et ça me fait chier toutes les semaines, ça me fait chier, putain. Toutes les semaines, ça m'emmerde. Ça m'emmerde royalement. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? À chaque fois, je dis, ouais, je vais faire ça. Genre, je vais faire ça à 20h, tu vois. Et puis, à 20h, à chaque coup, ça me fait chier. Tu sais, c'est l'heure de coucher la petite, gna gna gna. Je me dis, ouais, bah, je vais mettre après, puis. Puis en fait, ça me fait chier, mais à 8h, ça me fait chier, à 9h, ça me fait chier, à 10h, pareil. En fait, ça me fait chier tout le temps. Je supporte pas les poubelles. Donc, c'est pour ça, il vaut mieux pas s'énerver avant à jouer à Profanation, et encore moins à Profanation 2. Profanation 2 est interdit avant d'aller mettre les poubelles. Parce que sinon, tu mets des coups de pied dans toutes les poubelles du quartier, tu les fous toutes par terre, tous les PD de chat viennent éventrer les. Hein, les sacs poubelles, et tu retrouves de la merde partout, partout. Ah, ma fille, elle est trop petite pour aller mettre les poubelles à 3 ans. Elle peut pas encore. La poubelle est beaucoup trop lourde pour elle. Déjà, elle est 3 fois plus grande qu'elle, donc. Enfin, 3 fois peut-être pas, mais.
Ouais, les pédés de chat. Bah tiens, ça me rappelle un coup justement où Justine était tout bébé et bah forcément quand t'es tout bébé, t'as une poubelle de couche, tu vois. Hein, le truc bien dégueulasse, la poubelle de couche. Le truc que tu souhaites même pas aux éboueurs de la ramasser tellement ça te dégoûte, quoi. Hein, déjà, quand toi tu mets ce sac dans la poubelle, tu vomis. Tu vois, en plus t'en rajoutes. Tu vois. Et ouais, ça sent bon, c'est une horreur, surtout en été, C'est génial. Et dire que je remets ça d'ici bah, à partir du mois de juin, fin juin, voilà, il y aura le deuxième bébé qui sera là. Et il va falloir se remettre dans les couches. Et donc un coup, ces pédés de chat avaient trouvé le moyen de me culbuter. Ouais, level 2, ouais. Hein. Moi, je vais être en level moins 2, par contre, je pense. Mais et ces PDC avaient trouvé le moyen de culbuter la poubelle, hein, la poubelle à roulettes, ils l'avaient fait tomber, et du coup ils avaient éventré les sacs. Et si bien que sur tout le trottoir devant chez nous, il y avait ce qu'on appelle un tas de merde. Mais un vrai tas de merde à base de merde de bébé, quoi. Des couches étalées partout, éventrées. Voilà. Et c'est là que bah ouais bah tu passes pour un gros cassos dans ton quartier quoi. À cause de ces pédés de chat. Je suis pas parti du CCC, hein, du comité contre les chats, mais ah, mon Dieu quoi. Quand il faut que toi t'ailles ramasser ça, tu vois. Hein, déjà que t'avais pas aimé les mettre dans la poubelle. T'avais déjà vomi. Mais là tu dois toutes les ramasser. Et les remettre dans la poubelle. Refaire un sac. Une horreur. Tiens, rien que d'en parler, j'ai d'autres cas. Bon, bref. C'est un stream de CPC, pas un stream de poubelle. Alors, il y a toujours un truc, je suis persuadé qu'il y a un autre jeu que j'ai oublié de montrer. Et vous regardez de tous les côtés, je ne trouve pas. Donc, c'est pas grave. Sur ce, ouais, juin. Alors, normalement, 21 juin, le terme. Donc, pour la fête de la musique. Donc voilà. Voilà. On va sortir avec un fusil pour aller mettre les poubelles. Non, parce que j'adore les animaux. Donc j'adore les chats. J'adore les chiens. J'ai mon petit chien que j'adore. Les chats, j'adore. Hein. J'en ai eu une. J'ai eu une chatte. Très gentille, qui s'appelait Margot. Qui ça m'a fait beaucoup de peine le jour où je l'ai perdue. Non, non, moi j'adore les enfants. Un bébé Covid pas mal immunisé. Bah, immunisé, non, parce que nous, on n'a pas eu le Covid et on n'espère pas l'avoir. Bah, surtout Pauline, ce serait bien qu'elle ne l'ait pas avant d'accoucher, en fait. Ce serait très très bien même qu'elle ne l'ait pas. Parce que pour le coup, c'est pas top, quoi. Même s'il n'y a pas trop trop de retour là-dessus, a priori, il y a quand même eu des cas assez graves. Donc, méfiance. Donc on sort plus de chez nous. Hein. Moi je sors plus, ça fait je sais pas combien de temps que je suis pas sorti. De toute façon je m'en branche, je suis du télétravail, donc rien à secouer. Et puis bah, Pauline, pour l'instant, elle est arrêtée. Donc, il adore les animaux, sauf ceux du voisinage, non? Bah non, tu vois, bah, tiens, je vais mettre les poubelles. D'ailleurs, il y a le chat, un petit chat qui vient me voir à chaque coup. Un joli petit chat là, trois couleurs, hein, qui est tout mignon. J'aime bien, je fais des caresses et tout, parce que je le vois jamais en temps normal, vu qu'il y a mon chien qui me fait fuir. Et non, non, on a des écureuils aussi dans les arbres, dans le jardin, là. Donc c'est plutôt cool, je suis content de voir des petits animaux. Moi j'aime beaucoup les animaux, donc la plupart des animaux, après le chien qui est con, c'est pas de sa faute, c'est la plupart du temps c'est de la faute de son maître. Hein. Donc j'ai envie de dire que j'aime les animaux, mais pas les humains, donc la plupart du temps. Et on va conclure là-dessus. Et puis bah du coup ouais prochain coup alors bah, sauf si vous avez d'autres idées hein, Fred tiens par exemple si t'as d'autres idées de jeu après Jarlac du jeu que t'aimerais avoir terminé alors tiens d'ailleurs il y a un truc les espingouins là ils nous ont sorti un espèce de une suite de c'est pas de Game Over c'est de Army Move comment ça s'appelle ce qu'ils ont sorti alors, attends je vais aller sur Army Move avec un peu de chance Bruno aura mis quelque chose. Que j'ai pas essayé. J'ai jamais essayé. Merde, je vais pas savoir. Quand est-ce qu'ils ont sorti ça?
Est-ce que c'était 2020? C'est peut-être 2020. Alors, Halcon 2020, je le ferai pas parce que c'est trop dur. Vraiment que je m'entraîne et puis. Ah, il y a Attic Attack aussi qu'il faut que je regarde. Oh, il y a un truc qu'il faut que j'essaye. Je sais pas si vous avez vu ce truc-là. Tiens, on va lancer ça. QWT. Il y a un gars qui a fait une version de Barbarian 2. Alors, c'est pas pour faire un jeu, hein, c'est juste pour voir ce qui était faisable. Bon, je vais mettre ça comme ça. Hop. Ah oui, Space Move, c'est ça. Mais attends, je remets un truc. Le mec, il a fait une version de Barbarian 2, version CPC+. Et ça a l'air vachement joli. Et j'ai en fait, je suis tombé dessus. Je l'avais vu il y a quelques temps. Et puis, j'ai complètement oublié de regarder. Pardon. Je suis retombé dessus l'autre jour. Donc, il peut pas hein, faire le jeu. Hein, concrètement, le jeu complet, il pourrait pas le faire. Parce que bon, bah, il y a des gros monstres. Clavier QWERTY de merde, faut que je trouve comment mettre au clavier AZERTY sur CPCEC. Voilà, et je crois qu'on peut bouger. Hein. Ouais, voilà. Putain, c'est pas mal. Hein. On peut pas donner de coup d'épée, on peut juste bouger le personnage. C'est dommage, j'aurais bien voulu décapiter Piaf. Ouais, mais faut que je trouve où est-ce que c'est dans CPCC pour changer la ROM. Ah, c'est mignon, hein, c'est que du mode 1, hein. Que du mode 1 pour l'écran et puis du sprite pour le personnage et puis pour l'ennemi, quoi. Bah, ça rend bien. C'est dommage de ne pas avoir mis toutes les étapes d'animation du personnage pour pouvoir taper et genre se battre au moins contre le piaf. Ça aurait pu être rigolo. Donc, qui c'est qui a fait ça? C'est. Comment qui s'appelle? C'est un nom qui m'est pas étranger. Arnaud Boucher. J'ai déjà vu ce nom quelque part. Ça rend bien, ça rend super bien. On dirait presque la version Amiga. Hein. Bon, il y a peut-être juste le haut. Le haut, je suis beaucoup moins convaincu. À la limite, c'était mieux en mode 0, quoi. Mais par contre, pour l'écran de jeu, c'est sympa. Hein. Il y a des rasters un peu partout. Basic Barbarian a été fait aussi. Je sais pas si cela tourne sur ces PC. Ah oui, sur PC, tu veux dire. Ouais, en visuel basique ou un truc comme ça, non? C'était fait sur PC. Bah, il y aura moyen de refaire Barbarian sur ces PC. Hein. Beaucoup mieux que ce qu'on a eu. Hein. Ouais, c'était déjà pas mal, c'était très jouable, mais. Bon, voilà, donc c'est tout. Et donc, ouais, tiens, bah, faut que je regarde Space Move. Il faut que je regarde Space Move. Entre autres, par exemple, ça peut être une idée. Le truc à regarder. Parce que je n'ai pas. Alors lui, je l'ai vraiment jamais lancé. Je sais absolument pas ce que ça vaut. A priori, il y a une 12 sur 20 sur ce PC Power. Rien de fantastique, d'accord. Fantastique. Ce jeu n'est pas mauvais, mais c'est au final qu'un repompage à 90% des graphismes provenant de Game Over, Army Move, Navy Move, Fantis, et pour le jeu, rien de neuf non plus. Bon, après, pour les graphes, c'est un peu un clin d'œil quand même. C'est Army Move Part 1, phase 1, et pour phase 2, c'est Fantis, phase 2, Part 2. D'accord. Et nous retrouvons ce qui a fait la gloire des jeux espagnols, de beaux graphismes et une difficulté accrue. Pour avoir la fin sans tricher grâce au scénario que j'ai mis à disposition. Ah, c'est Cuculcan qui fait des commentaires sur son propre site? Eh ben. Au moins, il va pas se censurer lui-même, quoi. C'est gratuit, ça. Ah oui, donc il a été premier au CPC Rétro-Neuf 2015. À essayer, voir si ça vaut le coup. Mais par contre, si. Après, apparemment, il y a une version 2015 et 2020.
2020. Ah oui, dis donc. Oh, ça a l'air déjà un peu plus joli. Et puis il y a des graphes qui sont pas de. Bah, je crois que ça n'a rien à voir avec l'autre. La bleuette n'est pas pareille. Ah bah à la limite celui-là peut être peut-être plus intéressant. Et c'était fait par qui ça? Tony Ramirez, et bah c'est pas celui qui a fait Jarlac, justement. Bah si, c'est celui qui a fait Jarlac. D'accord. D'accord, et eh ben écoute, je vais m'essayer celui-là. Ouais, à la limite, vu comme ça, juste les graphes, la version 2020 m'a l'air déjà plus sympa. Graphiquement, m'a l'air plus sympa. Déjà, graphiquement, il y a des petits trucs qui me plaisent. Il y a des trucs qui me plaisent bien, graphiquement. Ça a l'air bien travaillé graphiquement, ça a l'air plutôt joli. Et puis le jeu a l'air plus original. Ah bah attends, il y a un commentaire. Qu'est-ce qu'il a commenté? Madboul. Excellent jeu, mais la première partie est quand même assez difficile. Bien gérer les sauts, les hélicos et les jeeps. Le tout début du jeu dans les airs me fait penser au niveau 1 de Secret Agent. Sly Spy. Oh. Pour moi, c'est un mauvais jeu, hein, du CPC Sly Spy, hein, je n'aime pas du tout. La partie en moto me fait penser à Army Move et le shoot'em up à Fantis. La phase 2 est la plus intéressante et elle me fait penser à un mélange entre la phase 2 de Navy Move et la phase 2 de Freddy Hardust. Ok. Eh ben, je vais mettre ça de côté. Normalement, c'est plus pour être bien sympa vu la démo. Ouais, mais c'est qu'une démo. Hein. Confond pas une démo avec un jeu. Hein. Parce que là, c'est ce que je disais hein, tout à l'heure. Hein. Les gros monstres, il ne les bougera pas. Hein. Il sera obligé de les faire en soft dans tous les cas. Donc bon. Il y a eu d'autres trucs hein, sur CPC plus, des trucs qui ont été commencés. Alors, je crois que c'est Megashur qui a commencé un Shadow of the Beast. Alors, je sais pas s'il continue. A priori, il continue pas trop. C'est dommage. J'aurais pu être sympa alors, avec un gameplay amélioré pour pas faire comme l'original qui est pourri. Mais ça aurait pu être sympa. On verra. Et puis, bah, il y a Fred qui nous fait son Ghost and Ghost ou Ghost and Goblin. Je sais jamais c'est lequel des deux. Shadow of the Beast, c'est naze. Ouais, comme jeu, c'est très très naze. Je suis d'accord avec toi. Mais en améliorant le gameplay, il y a moyen de faire un truc jouable. Ghost and Goblins, ouais. Je sais jamais c'est lequel le premier des deux. Si c'est Ghost and Ghost ou Ghost and Goblins, j'ai toujours confondu les deux. Sonic aussi, ouais. Bah, clairement, Ghost and Goblins et puis Sonic, à mon avis, déjà, ça va relever la cote du CPC plus, hein. Je pense. Les prix vont flamber, hein. Oui, bien sûr que ça va arriver. Ça commence par Ghost. Ouais. Oui, bah celui que tu refais, ouais. Ouais. Il y a ça, et puis bah, je sais pas s'il y a d'autres jeux de prévu. C'est plus, j'en sais rien. On verra. Allez, je vous laisse, parce que là, je blablate, mais le stream, il va durer, oh putain, 2 heures déjà. Ah, t'as une démo. C'est bien, c'est cool. D'accord, ok. Bon, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Allez, bah, bonne fin de soirée à vous. Moi, je vais mettre mes poubelles. Allez, ciao, merci d'être passé. À plus.